Qui est Jésus-Christ pour vous? Qui est Jésus-Christ pour vous? Who is Jesus Christ for you? Nous disons en vrai, oui, Jesus Christ is for you. Qui est Jésus-Christ pour toi? The question is, who is Jesus Christ for you? Please. I just want to know, who is Jesus Christ for you? Je voulais juste vous poser la question, qui est Jésus-Christ pour vous? Super question. Qui est Jésus-Christ pour moi? Jezus Christus voor mij. Jezus Christ? Zijn Jezus Christ. Ga ik hem mee? Zijn Tajamli. Breeze? Who is Jesus Christ? Oh, en voilà une question. Celle-là est bien compliquée. Qui est Jésus Christ pour moi? Alors, la bonne question. C'est un mot que c'est. Ok. Yeah. Un prophète. Un prophète. Voilà. Ben, un inconnu. Un inconnu. C'est tout? Non. Ok, ça va. Personne qui le connaît, je pense. Hein. Ok, ça va. Merci beaucoup. C'est une divinité pour beaucoup de personnes. Voilà, c'est le fondateur de la religion chrétienne. Mm-hmm. J'avais vraiment beaucoup posé la question. Mm-hmm. Je suis très honnête avec vous. Ok, merci bien. Il faut des gens honnêtes. Donc, le prophète Jésus-Christ, c'est un prophète pour nous. Donc, on le respecte, voilà. Comme c'est un prophète comme tous les prophètes. Oui. Donc, voilà quoi. Les dieux. Dieu. I know the Bible and I know the God, Jesus, but I don't know the Jesus Christ. Jesus, I know. Okay, you can tell who he is? And he's the Son of the God. You know Jesus? No, I don't know Jesus. That's the, you know the Bible? Bible? The Bible? Okay. There is Jesus. Yeah. He died on the cross. Yeah. You know, and who you think he is? I don't know. You don't? I don't believe you don't in believe. God or Jesus. Okay, you are an atheist, is that? Yeah. Okay, yeah. Thank you very much. Jésus-Christ, ben, c'est le créateur de l'univers, mm-hmm. celui qui nous a créés, vous et moi. Il fait partie de mon histoire depuis toute petite, parce que j'ai grandi dans la religion catholique. Voilà, donc je le connais bien, mais c'est pas... Il ne fait pas partie de la famille pour autant. Voilà. Merci. We don't know. No, no. No, no. It's not a prophet. Another question, please. That's a question. I think that's a person. Mm-hmm. I from everybody, but that's a special one. Okay, thank you. Jésus-Christ, c'est, bah, c'est notre sauveur, c'est le Fils de Dieu. Bah, c'est grâce à lui qu'on a tout, hein, qu'on a notre souffle de vie, que c'est lui qui nous a libérés, c'est lui qui nous a donné la vie, quoi. Voilà. C'est grâce à lui qu'on est là. Jesus Christ is a prophet of Allah, mm-hmm. who sent by Allah, the messenger of Allah, to preach the people of the world. Yes. Pour moi, c'est un maître spirituel, philosophique. J'aime pas dire religieux, parce que je crois pas que ce soit un maître religieux. C'est un maître de l'enseignement de l'art de vivre. Mm-hmm. Voilà, il a enseigné un art de vivre auquel je crois. Je suis croyant, pas très religieux, mais croyant. Ok, Jesus... what's that Jesus? Jesus? What's that Jesus? C'est qui? Hein? C'est qui? C'est qui? C'est qui? C'est qui? That's the question. Who is he? I don't know. You don't know? No. Okay, that's your problem. That's the question. Another question? That's the question. Finish? One question, yes.
العبد تكفى تعال دقيقه بس بليز is the savior for me is the savior the savior yeah is the savior okay. There is no one can see the father without Jesus amen that's it thank you very much moi alors pour moi c'est un être humain avant tout d'accord donc c'est un personnage qui est malheureusement biblique, je vais te dire, je suis athée et c'est pour ça que Jésus-Christ pour moi est un être humain. Pour moi Jésus-Christ c'est un être qui a été formaté par des gens. C'est probablement quelqu'un qui avait un don particulier mais qui malheureusement de ce don on a fait quelque chose de spirituel. Et c'est ce qui mène, je pense du moins, c'est ce qui mène à l'heure actuelle au pire des guerres, les guerres de religion. Ah, Jésus-Christ, c'est mon sauveur. Amen. Ah, Seigneur et sauveur. Hein. Amen. Ik ben wel een gelovig, maar ik ga niet naar de kerk. Dus Jezus Christus heeft voor mij wel bestaan. En ik weet ook dat Lucas 24, vers 1 tot 9, tenminste in de huidige Bijbel, daar staat beschreven hoe hij is opgestaan, het mooie verhaal. En ik denk ook wel dat dat is zoals het gebeurd is. Maar de grappen en grollen van de katholieke kerk, die veracht ik echt vanuit mijn tenen. Dat is, daar is heel veel ernstig misgegaan. Ja. Ja, dus ik heb wel geloof, maar ik heb dus de ethiek, maar ik heb geen vertrouwen in de godsdiensten. Oké, dank u wel. Le gros souci en soi-même, c'est qu'il n'y a qu'un Dieu, mais qu'on en fait plusieurs en fonction des religions. Mm-hmm. En fonction des, pas des religions, mais en fonction des peuples. Mm-hmm. Et c'est ça qui est malheureux, quoi. Tu vois ? Maintenant, Jésus-Christ crée aussi bien les guerres que l'épée. Voilà, c'est tout ce que je peux te dire là-dessus. Et pour vous, qui est Jésus-Christ ? C'est le sauveur de l'humanité. Comment dites-vous ? Le sauveur de l'humanité. Le sauveur de l'humanité, et c'est tout ? C'est le fils de Dieu aussi. Oui, et ? Et il est mort à la croix pour nos péchés. Ok, et ressuscité ? Et ressuscité. Pour le pardon des hommes ? Exactement. Vous avez d'autres questions ? Non, c'est tout. C'était la question. Voilà les amis, nous sommes venus à Bruxelles pour poser la question de qui est Jésus-Christ. Et comme vous voyez, nous avons plusieurs opinions. Et nous avons fait cette vidéo premièrement pour savoir ce que les personnes pensent ou ce qu'ils savent sur Jésus-Christ. Et deuxièmement, comme vous voyez, peu de personnes connaissent ce personnage qui est pour nous notre Sauveur et Rédempteur. Alors c'est vraiment une vidéo pour motiver les personnes chrétiennes à venir dans les rues avec nous ou alors avec votre propre groupe à prêcher l'évangile parce que vous voyez les personnes en ont besoin et il y a peu de personnes qui connaissent la vérité et vraiment il faut sortir, il faut se lever et prêcher l'évangile parce que la Bible dit allez et faites des disciples et c'est vraiment quelque chose que nous prenons à cœur. Voilà, on fait ça au nom de Mine d'Escrit et passez une très bonne journée. Au revoir.